La longueur. Comment ça va les gens, on est de retour pour une nouvelle vidéo. On est de retour sur la carrière, on est presque au playoff. Il me reste exactement 5 matchs avant d'arriver au playoff. Je vous ai laissé sur le dernier épisode de la carrière où j'ai failli me battre avec Jamorant. Et là on est sur un gros derby contre Brooklyn et juste derrière il y a Houston. Et après ça il manquera plus de 3 matchs avant les fameux playoffs et la fin de la saison. On est actuellement 7ème depuis le dernier épisode. On n'était même pas encore en playoff avant le dernier épisode. Mais là on est passé 7ème. Maintenant il s'agit de savoir à quel poste on va finir, qui on va affronter en playoff, etc. Et ça sera déterminé par les gros matchs qui arrivent là. On est contre Kevin Durant et Kyrie. Donc là je vais pas jouer ce match là en 5 minutes, on va jouer en... On va mettre 8. C'est parti. Allez Durant, on arrive. J'ai dit que j'allais mettre que ce maillot là jusqu'à la fin de la saison. Donc on va le faire, c'est parti. C'est parti, on va aller affronter Kevin Durant, Kyrie et leur crew. Qui sont actuellement premiers de l'Est. On était premier de l'Ouest, nous, à l'ancienne, quand on était chez les Clippers, mais on s'est barré pour aller aux Mavericks. Dernier de la Ligue, pour un peu plus de challenge. Et depuis, on a fini par revenir en playoff. Et voilà ce petit choc au sommet, pour nous préparer justement au playoff. Quoi de mieux qu'une des meilleures équipes de la NBA? C'est parti. C'est sûr que dans la vraie vie, ils sont pas la meilleure équipe de la NBA actuellement, vu que Kevin Durant était blessé. Et Kyrie était blessé une bonne partie de la saison. Ça serait des barres si Durant et Kyrie revenaient pour la reprise de la NBA qui devrait se faire en juillet, si tout se passe bien, là. Mais apparemment, Durant ne va pas jouer sûr. Et Kyrie, je pense pas qu'il va jouer non plus, mais ce serait quand même des barres s'il revenait. Pourquoi c'est Delon Wright, notre titulaire? Attends, je viens de voir ça, là. Il est où, team? Mon gars sur team, il lui arrive quoi? Blessure aucune. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, tant pis, hein? Allons-y. Zoom mon gars sur Timmy Team sur le banc. Pick and roll avec Krista pour commencer ou quoi? Eh, c'est toujours Manovic tout seul à 3 pour commencer le match. Ouh, ça a failli rentrer. C'est le rituel maintenant, carrément. Shipper, allez, donne-moi ça, Kevin. Tu crois, elle est à toi cette balle? Non. Elle est pas Kristaps non plus, pas de passe, allez hop, on commence. J'ai volé la balle, je mérite d'aller la livrer. S'il avait mis sa frère, oh là là, c'est quoi ce tir de malade là? On continue, petit layup reverse pour le style. Oh là là, mais quel début agressif. T'as de la chance, dit André Jordan. Vous avez pas le bon Jordan pour nous menacer malheureusement. Ah d'accord, ok, Karis, qui aurait cru que le premier plan y viendrait de toi? Pas moi en tout cas. J'étais pas sûr si ça allait passer parce que j'ai vu le géant avec sa queue de cheval de dread, DeAndre Jordan, prêt à tout casser. On la partage à Marjanović. Ouh, compliqué. J'ai rien dit, pas très compliqué quand tu fais 5 mètres. Oh là là. Le jeu est fluide, le jeu est doux, le jeu est aérodynamique. Oh là là, ouais, c'est bon. Heureusement qu'il a pas fait de passe, DeAndre. Hein. Heureusement qu'il est de temps. Car il était solo. Et encore un panier raté. Les Nets ne sont pas dans leur game, mais on va pas les attendre, t'inquiète même pas. And one. T'as de la chance. C'est un match de préparation au playoff pour nous. On va pas blaguer. Sauf Wright, il va blaguer apparemment, mais... En tout cas, moi, non. Il faut balancer ça au... Ah, je veux un 3, tant pis. Nets ou pas Nets, là, on les démonte. Leur début, il est pas net. Pas mal. On rigole. Genre, oh, j'allais péter un câble. Ça commence encore à mettre des gens au sol pour rien. Ah ouais. Jamorant, il est passé par là ou quoi? Ok, Dinwiddie, ils sont revenus bien vite. Ok, ça va? Les chevilles, c'est comment? Easy. Kairi, c'est comme si t'étais pas là, frérot. Il y a des gens, leur défense, c'est comme un mur de béton, toi, c'est comme un tunnel, frère. T'es Kairi de Irving, je passe facilement. Oh! Kairi, t'es juste là pour la déco. T'es comme Valérie Kairi Do, non? Bienvenue à Rock Contenders. Ouais, ça veut rien dire. Et alors, frérot? Y'a personne pour m'empêcher de forcer. Je peux faire les pires blagues qui existent, personne peut me stopper. Oh là. Oh. Il est pas pris contact. Derrick Rose style. Ouh, le flotteur. Oh là là, la technique ici. Ah, ça rate. Je sais. L'intention était à l'... T'es un ouf, Chandler. T'es un ouf. Tu m'as pris pour qui? Alors ça. Too fast. Trop rapide en anglais. Ou comme on dirait en togolais. Elle est kabao, nous. Comme on dirait en mina. Ah bon? Ah Jordan, t'es comme ça. Sans demander, comme ça, tranquillement. Ok. Réponse. Je réfléchis pas non plus. Bang, j'arrive. 3 points dans le nez. Je t'ai dit. Franklin Thompson. C'est mon surnom à San Francisco. Ok, encore une réponse de Dinwiddie. Ça envoie. Allez, le allemand. À ton tour de marquer. Ok, je sais pas pourquoi j'ai eu confiance en le allemand. Pourquoi il va au milieu de terrain lui aussi? Et après, il fait ça. Pourquoi? C'est quoi? Hey, prochaine action, zéro passe. J'annonce ça direct. Hey, j'ai plus d'énergie, coach. Va falloir faire un truc. Bon, j'avais dit pas de passe, mais voilà. Faut abuser.
Ouh, Durant. Durant. Du calme. De faute. Ah, j'ai peut-être allé sur le banc. Ouais, de toute façon, c'était le moment de se reposer parce que j'avais plus d'énergie, là. C'était tendu. Attends, 40-46 pour eux. Ok. On a un peu de taffage à taffer. Un peu de taffation à taffiser. Mais oui, c'est clair. Ah, la deuxième mi-temps, c'est comme ça que vous la commencez? Ah bon? Avec Kyrie, ça... Kyrie rigole pas. Ça va, frérot? Tout va bien? Wesh, mais wesh! Je pensais que ce serait KJ et Kyrie qui feraient le plus de salles, mais là, pour l'instant, les deux pivots, là, ils donnent sur tout le monde. Mais wesh! Rien à battre, je défends moi-même. Rien à battre, je suis là. Allez! Ok, à 3, on était là, mais on était là. Ok, on est sur une très mauvaise passe. 10 points d'écart, là. Alors là, Kristaps open. Ça, c'est le meilleur qu'on pourrait avoir. Et pourtant, il rate. Kristaps tout seul dans le coin. Easy. Mais wesh, pourquoi je rate ça? Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Elle lui va mettre ça, j'imagine. Ouais, ben oui, c'est bien ce que je pensais. Ok. Donc là, les nets sont complètement le flow du match, là. Non, je viens de me rendre compte que j'avais pas la caméra. Easy, allez, on va revenir là-dedans, y'a rien. Ok, Augustine, ok, on revient. Ils nous ont lâché une sale série, là. Oh, faut me laisser tout seul à 3 points comme ça. Grave erreur. Easy. Attends, c'est quoi ce score, là? What? Wow. 51-56. Ok, 5 points d'écart. C'est 2 paniers. Je reviens, il y a 21 points d'écart. Ouais, c'est pas facile. C'est quoi le délire? Frère, comment je rattrape ça en 6 minutes? On est où là? Nous sommes où? Oh là là, mes frères, mais. Incroyable! Un one, s'il te plaît, il nous faut un and one, il faut quelque chose, il faut quelque chose pour renverser la vapeur là, parce que what? Là, c'est tendu! Comment on a pu se faire descendre à ce point-là en si peu de temps? Dis Smith, on a besoin de toi, frérot. Ok, bah, tant pis. C'est fini, gros, c'est fini de fou. Là, pendant que j'étais pas là, ils se sont fait éteindre. Ils ont pris un 9-26 pendant que j'étais pas là. Allez, on va essayer, hein. Qu'est-ce que je te dis, frérot? Allez, le allemand. Ah non, c'est pas un allemand, c'est qui lui? Mais c'est qui lui? Pourquoi il est là? Oh, pas d'N1. Frère, c'est qui ce mec-là? Le 5... Ok, ils m'ont ramené le 5 du départ. Au moins, j'ai le 5 pour essayer de revenir, parce que les mecs que j'avais sur le terrain, là, c'est tombé. Le petit problème, c'est que oui, j'ai le 5, mais eux aussi, ils ont leur 5, tu vois. Oh, ok. Balance. 75-92. C'est quasiment impossible, mais faut essayer. On va tout faire pour pas finir en mafé, même si j'entends déjà les couverts, là. J'entends la table qui est en train de se faire. On va essayer de se sortir de la sauce. Let's go. C'est faisable? Ah, 1 minute 30, c'est infaisable. Oh, j'ai seul. Tant pis. Oh. J'y vais. Let's go. 12 points d'écart. Dommage, si on avait juste un tout petit peu plus de temps. C'est là que les 8 minutes, là, m'ont fait mal. Si j'avais un peu plus de temps, j'aurais pu revenir, mais... Je pensais pas qu'il allait se passer une dinguerie à ce point-là, tu vois. Là. Ok, 3 points. Mais bon, c'est trop tard, malheureusement. J'aurais même pas pu me battre pour revenir un peu dans le match parce que c'était déjà plié quand je suis revenu. Bon, heureusement, on était déjà en playoff, donc ce match-là, il était pas genre clé au point où si on le perdait, on était sorti. Regarde ça, on a fait un 22-6. 12 secondes. Oh, j'ai la haine, gros. On est revenu à moins de 10. J'ai la haine. Cette défaite, elle est pas méritée du tout. Elle est vraiment pas méritée. Si on est en playoff et qu'on arrive en finale, si ça se trouve, on rencontrera les Nets. On pourra prendre notre revanche à ce moment-là. Parce que là, on s'est fait voler de chez voler, frère. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Danse bien. Cette défaite-là, c'est... Ah. Elle nous fait descendre au poste de 8e. Il reste 4 matchs dans la saison. Moi qui me voyais peut-être arracher la 5e place, là, ça devient compliqué, hein, avec cette défaite. Mais bon, comme je l'avais dit, je sais pas si on la veut vraiment, cette 5e place, parce que j'ai pas envie de me taper les Lakers au premier tour. Les Rockets, ça m'irait bien pour un adversaire de premier tour. Donc si on finit 7e, en vrai, ça me va, tu vois. Et en parlant des Rockets, les voilà. Prochain match. On pourrait peut-être les affronter au premier tour des playoffs, c'est possible, donc on va voir comment ça se passe dès maintenant. Houston Rockets contre Dallas Mavericks. Allez, deux gros adversaires que sont James Harden et Russell Westbrook. Mettez Tim Hardaway titulaire, je sais pas ce qu'il a fait le coach au match d'avant là. Elle a pas de pitié frère, vu ce qui s'est passé au match d'avant, on prend zéro risque, on y va à fond, pas de défaite B. Allez, sort de là, voilà ce que... C'est exactement ce que je veux voir ça, ça me plaît. Commence comme ça Kristaps. Ouh, j'ai failli l'avoir aussi. Ok, Russell.
Erwan, allez hop, on commence, frérot. Capella, il est à moitié blessé. Ah, c'est vrai qu'il s'était blessé dans notre dernier match. Et Westbrook, il arrive en roquette, vraiment. Il est là, il est vénère, il fonce vers la peinture. Il a déjà pris 3 tirs. Ok, je dois changer de défenseur, apparemment. Oh mon dieu! Et Westbrook, il y a quoi? Il y a quoi, Westbrook? Il a commencé, il a pris tous les tirs du match. Mec, il est vénère. Tout seul dans Titi. Vous avez vu le nombre de personnes qui avaient sous le poignet pour prêt à m'arracher la tête là? Et c'était 3 ou 4 pareil, gros. Westbrook, je crois, personne n'a pris de tir dans l'autre équipe à part Westbrook. Il a pris au moins 8 tirs depuis le début du match. Encore un. Il en a rien à battre, gros. Il en a rien à battre. Harden, il n'existe pas pour lui. Balance. Je veux en aller où, frère? Où ça passe? Westbrook, c'est un bon joueur, mais c'est dans des moments comme ça que tu comprends pourquoi Durant a voulu se barrer. Frère, le mec, il voyait jamais le ballon. Regarde ça, frère. Il a pris tous les tirs, tu vois. C'est très grave. C'est très, très grave. Et si tu crois que je blague pas du tout, frère. 3 sur 8. 0 partout. Oh, and one. Ah, oh, j'aurais pas dû faire faute. Ah, c'est pas moi. Ouf. Westbrook, frère, c'est les Westbrook Rockets. J'ai demandé un aller-up. J'étais sûr à 95% que ça allait pas passer, mais je sais pas pourquoi. Mon cerveau, il a quand même dit, fais-le. Demande l'aller-up. Et Westbrook, il prend un tir. Est-ce que quelqu'un d'autre que Westbrook prendra un tir dans cette possession? C'est le mystère. Est-ce que quelqu'un d'autre que Westbrook tirera dans cette possession? Et il le met. Mais il se passe une dinguerie, là. On est d'accord. Ah, la spéciale. Oh, vert. Oh, oh, oh. Maradovic qui met un 3 dans le coin. À chaque match, il en tentait un. Et il a fini par mettre un petit vert. Au calme. Ah, Capella va peut-être prendre un tir. Ou bien Harden. Un des deux. Capella, je sais pas ce qu'il fait, frère. Les deux tenses, hein. Je sais pas quel genre de drogue bizarre il a pris avant le match. Mais ouais, je sais pas ce que t'as, Capella. Westbrook, il a trouvé le moyen de tirer alors qu'il restait 0,5 secondes. C'est très grave. À l'air d'Aouel. Oh. Ouh. Oh. Oh, il l'a mis en plus. Oh, oh. Quelqu'un d'autre que Westbrook qui tire. Bon, il y avait Capella juste avant, mais il s'était fait bâcher. Ouh, ça fait bizarre. Et Porzingis, c'est pour toi. Merci, frérot. Ce serait des marques, ce soit notre premier tour, mais je sais pas pourquoi j'ai un sentiment comme qu'on va finir 6ème. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling. Je pense pas qu'on va être 7ème, je pense qu'on va être 6ème. Et du coup, 6ème, je crois que ça va être les Warriors. Oh, les Warriors au premier tour. Oh là là, l'enfer. D'accord, je vois comment t'es. En plus, on sait que les adversaires en playoff, ils sont plus forts. Hall of Fame, Curry va mettre des 3 points. Retourner salto arrière du milieu de terrain, ça va me vénère, je le sais déjà. Ouh, le double step back de James Harden, il le met. Tellement illégal. Shipper, arrête de shipper. Allez hop. Insolence. C'est le derby du Texas ou pas? Faut faire le show. Allez, me faites pas de dinguerie comme au match d'avant là. Je veux un score très normal, très classique. Oh, on gagne 10 points. Bon, 9 points, ça va. Là, je me plains, frère, t'as vu? Pas de soucis. Mais bon, passer de moins 6 à moins 20 tout à l'heure, c'était quand même hardcore. Le tir. Frère, mon bras il était cassé là, comment tu veux que je tire bien? Frère, je sais pas s'il se prépare à tirer une balle de basket ou s'il prépare un Rasengan là, frère. Touquet, concentrez-vous! Mais qui cherche son Kamehameha? Comment tu veux que je me concentre sur le tir après? Ah, faut pas me laisser comme ça, frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Shipper! Alors là. Arrête comment de shipper. Quoi? Hein? Ah, nouveau record NBA sur une saison. Ok, on est là. Easy. Célébrons avec une brique. Est-ce que vous essayez de me dire, Touquet? Est-ce que vous essayez de me dire qu'un des joueurs de mon équipe a essayé de bâcher la balle avec son coude? C'est ça que vous essayez de me dire? Qu'au lieu de bâcher facilement James Harden avec sa main, Porzingis s'est dit, je vais essayer avec mon coude. Ah, c'est pas ce que je pensais. Il a essayé de le bâcher avec son coude. Et évidemment, ça a pas marché. Et du coup, on se prend un panier. Ce jeu... Allez, Kristaps. Bien sûr, Kristaps. Kristapus. Allez, Porzingis. Wow, je pensais pas que ça allait passer. La passe, elle avait l'air suspecte. Capella, il m'a eu. C'était pas un bash, mais il m'a eu. Il m'aura pas cette fois, il est trop loin. Tu m'auras pas cette fois, frérot. 6 points d'écart, on est devant. Oh là là. En plus, je la récupère. Petit 3, ah non, c'est un 2. Tant pis. Oh, la petite passe glissée, je sais pas pourquoi vous l'avez laissé. C'est mal me connaître, je vais bien sûr lui passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, wesh. Westbrook, tu recommences. Ça va être chaud la fin du match. Oh là là.
ils prennent l'avantage. Égalité, 3 minutes, que le meilleur gagne. Distance de Westbrook, c'est pour nous. Doncic tout seul. Allez, Doncic. Merci. Et le dernier derby du Texas qu'on a fait contre eux il y a quelques matchs, c'était serré. Ce match-là se finit plutôt serré aussi. Non, Westbrook. Oh, il a mis par-dessus ma tête comme ça. Allez, hop, je suis pas assez clean. Fou, compliqué ça. Bien sûr, Manovic, rabat ça. Toi-même, tu sais, Tim. Tim, j'ai confiance. Ok, ça va. Au moment où t'as tiré, je sais pas pourquoi la confiance elle est partie direct. Mais bon, elle est revenue, y'a rien. Non, 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 je refuse. Allez, sors de là. Sors de là. Oh, dans le clutch, on a été là en défense. Fini ça. Dommage. Si on les arrête là, on est très bien. Ou presque. Ah, il est là, Arden, j'avais oublié. Il touche jamais la balle. Et quand il touche la balle, c'est dedans. Ok, 4 points, c'est pas fini du tout. Easy. 3 points. Arden, et c'est dedans. Eh ben là, ils ont donné la balle à Arden, ça a changé la donne. Hein. Porzingis, bien sûr. C'est fini pour eux, 7 points. Tu ne donnes pas la balle à Arden, là. Le gars, il est en takeover. Ah ouais, le mauvais show, le mauvais show. Je mets les deux, et c'est la fin du game. Ils sont bien battus les Rockets, mais on est là. Est-ce qu'on va les affronter au premier tour des playoffs? Je sais pas. Beaucoup de choses peuvent changer. Ça se bataille entre nous, les Kings, les Blazers. Il y a beaucoup de gens qui se tapent pour les... Il y a beaucoup de gens qui se tapent pour les dernières places en playoff. On sait pas trop où on va finir. Mais un petit derby du Texas pour le premier tour, ce serait pas mal. Ah, ils ont sorti Westbrook du terrain carrément pour la fin. Même si c'est fini. Oh mon dieu, il a mis ça. La merde, tiens, frérot. Qu'est-ce que vous faites? C'est fini, les frères. C'est fini. Arrêtez. La vie. Mais c'est un truc de ouf. Mais c'est quand même fini. Ils lâchent pas l'affaire. Hein. Ils ont plus de temps mort de toute façon. Donc même si je ratais les deux, ils ont une seconde pour mettre un tir en 3 points de tout le terrain. Mais... J'allais dire, je vais même pas prendre le risque et je vais mettre les deux. Et au moment où je veux dire ça, je le rate. Les vrais savent ce qui peut se passer avec des gens comme Paul George. Donc je vais même pas prendre le risque. Je vais mettre celui-là. T'es un fou. T'es un fou. Allez, dedans. Merci. Je vais même pas prendre le risque. Parce que, regarde, je vais pas le défendre. Il peut se passer une dinguerie, tu vois. Donc je vais même pas essayer. Ok, il l'a pas mis, mais bref. Alors après ces deux gros matchs-là, on est toujours 8e. On s'éloigne bien des Trailblazers, donc il y a peu de chances qu'ils nous rattrapent pour choper la 8e place. Mais les 6e, 7e et 8e ont tous le même nombre de victoires, mais sauf qu'on n'a pas tous le même nombre de défaites. Et les Mavericks, on est les pires dans ce domaine-là. Il reste exactement 3 matchs, donc le max qu'on peut faire, c'est 46 victoires. Donc on va voir où on finit, si c'est 6e, 7e, 8e. Mystère. Sur ce, les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être là. Faire pas la DTR. À la prochaine. I'm on my Sayon shit. I'm trying to make $1 million. Keep a hood while crossing over on some AI shit.